Il est avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Menacé par les djihadistes et sous protection policière, il est réputé comme l'un des plus fins spécialistes du sujet. Il est en contact avec de nombreux policiers, agents, fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Il est également auteur de nombreux livres comme « Osons l'autorité », « Le sursaut ou le chaos » qui est le sous-thème de cet événement. Il nous fait l'honneur d'être membre de notre comité stratégique. Je vous demande d'accueillir Maître Thibaut de Montbrial. Mais qu'ont-ils fait de la France ? Songez qu'en 2022, la France a accueilli 472 000 immigrés non européens dans un cadre légal. C'est l'équivalent de la ville de Toulouse. Dans le même temps, nous n'avons raccompagné que 19 245 personnes. Songez que 40 policiers et gendarmes sont blessés en mission chaque jour. Songez que 120 personnes sont attaquées à l'arme blanche chaque jour. Songez qu'un tiers des personnes se revendiquant de religion ou de culture musulmane considèrent que la charia prime sur les lois de la République, dont 57% des moins de 25 ans, dont 65% des lycéens. La violence physique explose dans notre pays. Son seuil de déclenchement s'affaisse, son intensité croît. Et la part des étrangers dans cette violence est quasi systématiquement surreprésentée, y compris pendant les dernières émeutes qui ont constitué un avertissement sans frais ou plus exactement, sans les armes de guerre que les trafiquants n'ont pas voulu sortir cette fois-ci. L'idéologie islamiste se répand à une vitesse qui a contraint un président de la République en 2015 et un ministre de l'Intérieur en 2018 à évoquer ouvertement, alors qu'ils étaient en fonction, un risque séparatiste. L'extrême gauche, y compris ses élus, attaque la police au quotidien et pourfend les valeurs fondamentales de notre République. Mes amis, percute fracture. Gouvernée à U et à Dia sans cap ni colonne vertébrale, notre nation est au bord de la rupture. Seule une vertu nous préservera du pire, c'est le courage. Alors Camus nous a prévenus, ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour se justifier. Mais du courage, il en faut. Et je vais vous dire, il faut même des courages. D'abord, le double courage, le plus évident, celui de voir et celui de dire. Il faut dire ce que l'on voit, mais d'abord, il faut voir ce que l'on voit, nous a appris Peggy. Et de fait, quel médecin pourrait soigner sans faire le bon diagnostic ? Il faut remettre l'Église au centre du village. Premièrement, non ! Non, la France n'a pas toujours été une terre d'immigration. Elle l'est devenue après 1850. Et jusque dans les années 1960, c'était une immigration chrétienne qui était culturellement compatible. Deuxièmement, oui, il existe un lien entre l'immigration non maîtrisée et la montée d'un islamisme qui se répand grâce aux lâchetés, aux idiots utiles et aux collabos. Rendez-vous compte qu'on est passé d'une mosquée en métropole en 1926 à plus de 10 mosquées à Montreuil en 2023. Troisièmement, oui, il existe, n'en déplaise à tous ceux qui sont dans le déni, il existe un lien statistique avéré entre l'immigration non maîtrisée et la délinquance. Regardez les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur hier, vous en serez convaincus. Quatrièmement, notre population change. En témoigne l'évolution des natalités comparées avec un chiffre choc que je voudrais partager avec vous ce soir. Les immigrés non européens en France représentent 3% des plus de 80 ans et 30% des enfants de moins de 4 ans. Alors mes amis, le courage de dire, c'est aussi le vôtre, à vous tous. Celui de parler autour de vous. Vous avez un rôle à jouer. Parlez sereinement, mais fermement. Relayer, expliquer, argumenter, alerter, parce que le cumul de l'indifférence et du déni est mortifère. Et seul l'ancrage de la réalité dans les esprits permettra le sursaut. Alors,
Le sursaut, c'est le courage de faire. Le sursaut, le salut ne viendra pas tant de l'adaptation d'un programme politique magique que d'un changement total de logiciel de pensée et d'action. Retrouvons le chemin d'un courage politique. D'abord, le courage de rappeler que la démocratie, c'est la souveraineté populaire et qu'elle ne doit s'effacer ni derrière une commission supranationale, ni derrière une judiciarisation paralysante et sortie depuis longtemps de son lit institutionnel. Il n'appartient pas aux juges français ou européens de décider de la politique de la France. Ensuite, le courage d'agir. Il est temps de réconcilier l'action publique et le bon sens, de retrouver la sagesse populaire, celle de nos instituteurs, celle de nos grands-parents. Il est temps de rappeler que le bien et le mal, ça existe. Il est temps de se souvenir, avec Clémenceau, que le gouvernement a pour mission de faire que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne le soient pas. Quelques exemples. Sur l'immigration, il faut casser l'attractivité sociale qui constitue un véritable pot de miel pour les migrants, comme les reportages de Livre Noir à Lampedusa l'ont montré la semaine dernière. Il faut souligner qu'il n'y a, mes amis, aucun droit à devenir français. Ça n'existe pas. Il y a des conditions d'accès à la nationalité française qu'il faut durcir urgemment. On le doit à ceux de nos concitoyens qui ont fait le chemin de l'intégration, qui sont devenus français, parfois par le sang versé, et qui ne peuvent pas supporter les portes qu'on est en train d'ouvrir à tout le monde. La justice ? Mais, mes amis, le rôle de la justice, c'est de protéger les victimes. Le rôle de la justice, c'est de faire en sorte que les délinquants soient condamnés vite, que l'autorité de l'État frappe le plus vite possible le jeune condamné. Bien sûr qu'il faut des courtes peines de prison le plus tôt possible. Bien sûr qu'il faut casser les dogmes. La prison serait l'école du crime, la bonne blague. Comme si on allait en prison la première fois qu'on commettait un délit. Il faut arrêter les délires dogmatiques qui pourrissent notre monde judiciaire. Il faut des sanctions implacables pour ceux qui touchent à nos forces de l'ordre. On ne touche pas à l'uniforme de ceux qui nous protègent. La sécurité, parlons-en, la sécurité de nos concitoyens, elle exige que l'on rétablisse tout simplement une chaîne de commandement entre l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les procureurs, les préfets, que des instructions cohérentes et convergentes soient données et que l'on aille sur le terrain, au contact, et que ceux qui s'opposent à la loi en subissent toutes les rigueurs, y compris celle de la violence légitime, pour rétablir l'autorité et délivrer ceux de nos concitoyens qui sont prisonniers dans les quartiers. Mes amis, la peur doit changer de camp. Ils m'étaient, je dois vous le dire, insupportable. Semaine après semaine, de rencontrer, de défendre des policiers et des gendarmes qui n'ont plus le choix qu'entre l'hôpital ou bien la prison. Il m'est insupportable de regarder et d'assister jour après jour à la litanie des horreurs qui frappent nos concitoyens, à Cherbourg comme à Marseille, au Havre comme à Versailles. Non, il n'y a pas de fatalité. Ces gens-là ne sont pas victimes d'accidents, ils sont victimes des conséquences d'un ensauvagement, d'un processus de décivilisation qu'il est absolument urgent d'enrayer. Alors, maintenant, ça suffit. Le temps du courage est arrivé. Le courage de ne plus subir. Celui de relever la tête, de reprendre en main le destin de notre France bien-aimée. Je vais vous le dire très simplement pour finir, avec mon cœur. Non, tout n'est pas foutu. Nous avons un pays incroyable, béni du ciel. Nous sommes les héritiers d'une histoire millénaire qui féconde nos cœurs. Nous sommes les héritiers d'un peuple bâtisseur de cathédrales, avec ses racines gréco-latines, avec sa tradition judéo-chrétienne. La France est un pays généreux et ouvert sur le monde, un pays où l'on peut aimer qui l'on veut, un pays où on peut croire ou ne pas croire, un pays où la femme est l'égale de l'homme. Ce pays, notre pays, la terre de nos pères, nous devons le protéger, nous devons le chérir. Alors bien sûr, j'entends les ricanements des cyniques, j'entends les délires des déconstructeurs, j'entends les diatribes de nos ennemis, j'entends aussi les silences, j'entends les soupirs, j'entends les craintes,
j'entends les peurs. Mais quand sur la place de nos églises, je vois dans la pierre graver leur nom, quand à Douaumont, je vois dans la prairie s'aligner leur tombe, quand je pense aux Français, de toutes origines, de toutes conditions, de toutes races, de toutes religions, serrés les uns contre les autres dans les tranchées glacées, attendant de monter au feu en implorant Sainte Thérèse. Quand je pense à tous ceux qui sont morts pour que vive la France, quand j'entends parfois leurs murmures et que je sens leurs regards, alors mes amis, je vous le dis, je le sais, le chemin du courage, c'est celui du salut. Vive la France! Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Livre noir, c'était l'ambition de réaliser de longs entretiens, de faire parler ces personnalités politiques, ces journalistes, ces experts et autres artistes. D'où nous parlez-vous? À qui parlez-vous? Pourquoi leur parlez-vous? Qu'avez-vous fait, vu, entendu? Livre noir, c'était l'ambition de parcourir la France, de parcourir le continent, de se rapprocher toujours plus près des réalités qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous révoltent. L'ambition de proposer quelque chose de nouveau, à l'heure où la défiance vis-à-vis des médias traditionnels grandissait. Et nous l'avons fait. Car Livre noir, c'est la volonté d'agir, concrètement, devenir acteur et non plus uniquement spectateur, montrer ce qui ne sera pas montré, faire parler les pestiférés, les moins que rien, les oubliés. Avec Livre noir, nous continuerons à parcourir la France et le monde. Nous irons là où vous n'êtes jamais allés et où peu de gens vont. Nous vous embarquerons avec nous. Vous verrez nos images, nos éclairages, mais jamais aucun dictat, jamais aucune injonction à dire, à faire ou à penser. À Livre noir, ils parleront ou nous parlerons. Mais nous serons là, vous serez là. Quand ils nous attaqueront, nous répliquerons. Quand ils nous insulteront, nous vous regarderons. Car en vous regardant, on comprend. On comprend que la volonté qui nous meut n'est autre que celle de la vérité. Et nous continuerons à avancer. Car Livre noir, désormais, c'est une équipe qui ne renoncera pas. Une équipe dévouée, qui fait face et qui refuse d'être malmenée. Et ainsi, aujourd'hui, Livre noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Pourquoi? Car Charles Péguy disait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais il faut surtout, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Sur Livre noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.